vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí. Sufre, llora como yo lloré y llora, 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 llora. J'ai encore du temps pour changer d'avis et d'aller très loin. Je suis autant perdue ou... ou encore plus que quand je me suis fiancée à Raphaël. Santiago, envoie-moi un signe. Hein? Est-ce que je me marie ou non? Entre, Juana. Que fais-tu ici, César? Calme-toi, calme-toi, tout va bien. Et pour ton copain, ne t'inquiète pas. Je suis entrée quand j'ai vu qu'il était allé avec son ami David. César, le mieux, c'est que tu ne viennes pas. Tu sais comment peut réagir Raphaël. Fernanda, je le sais. Je voulais te féliciter. Et pas pour le mariage, hein, mais parce que tu es très courageuse. Et parce que chaque jour qui passe, on se rapproche de la justice pour les nôtres. Oui, c'est le plan. Je ne sais pas, je demandais à Santiago un signe pour savoir si je dois continuer tout ça ou non. Juste quand je suis entré. Ça doit vouloir dire quelque chose. Oui, tu as raison. Fernanda, ça me préoccupe que tu sois inquiète. Que se passe-t-il? J'aurais aimé que tu ne te maries pas avec Raphaël. Pourquoi je ne devrais pas me marier avec Raphaël? Parce que ton amour pour Raphaël te fait douter de ta volonté de rendre justice à Santiago. Je ne veux pas que Raphaël souffre par ma faute. Et je sais que je dois faire payer son père. Son père souffre déjà. Fernanda, tu as raison. C'est maintenant ou jamais. Prends mes paroles comme un signe. Bonjour, mes futurs beaux-parents. Ah, salut. Bonjour, bonjour. Salut. Bonjour. Je peux me changer ici? Fernanda ne me veut pas au ranch. Elle a dit que je ne dois pas voir sa robe de mariée. Vous y croyez? Heureusement que tu n'es pas têtu, hein. Ça porte malheur de voir la mariée avant le mariage. Tu as la boutonnière? Et la boutonnière. Je pensais que rigoles. C'était pour le mariage religieux. Tu ne prends pas au David. Sérieux ton rôle de témoin du marié, hein. Je te prête la mienne, Raphaël. La tienne, on l'a donnée à un ami. Bon, peu importe. Je vais t'en faire une. Ma robe en a beaucoup, ça pourrait être une robe de mariée. Ah, merci. Même si vous le niez, vous êtes un exemple d'amour. Ah, Raphaël. Nerveux? Un peu, merci. Je vous prépare une chambre, allons-y. Merci. Et pense à tes responsabilités. Ma chérie, notre Fernanda se marie. Ah! T'étais où? Où est-ce que je pouvais être? Avec Beto, je te l'ai dit, hier, par message. Ouais, mais comme tu dis des choses et que tu en fais d'autres, je pensais que tu étais partie voir Raphaël pour le convaincre de ne pas se marier. Quoi? Et manquer toutes les belles choses que j'ai vécues avec Beto hier. Ah, je dois être folle, Angie. C'était incroyable. T'as enfin accepté le peu qu'il avait, non? Bien sûr que non, mais Beto gagne de l'argent. Laisse-moi te raconter. Il m'a emmenée dans un hôtel incroyable dans la ville de Santana. Bien sûr, ils nous ont donné une suite. On a pris du champagne et regarde. Cette surprise... Tada! Waouh! Waouh, c'est une vraie, oui. Ça m'a surprise aussi.
Beto a marqué des points, il a un autre travail et il est vraiment super bien payé. Assez pour payer quelque chose comme ça. Tu l'as bien vu. Tu m'as dit de le soutenir pour qu'il aille bien, non? Ça ne peut pas être mieux. Tu es vraiment belle. Ah oui. On doit prendre tout ça au restaurant pour te faire des retouches. Tu m'as rendue toute belle. Oh, tu es trop belle. Très bien. Ah. Oh, c'est pas vrai. Le monde va exploser. Juana Banana qui porte une robe avec un beau décolleté et tout le reste. Comme vous le voyez. Comme vous le voyez. Tu es belle. Mille merci à toutes les trois de tout mon cœur. Vous êtes comme les sœurs que j'aurais voulu avoir. Oh. Venez, venez. Oh. 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 On s'est appelé vite. Je te jure qu'il n'y a pas de raison. Clara m'a quitté comme ça. Je crois que ma mère y est pour quelque chose. Profite de la fête pour te remettre avec elle. Ne laisse pas le malentendu s'agrandir, David. Ah, je sais, t'as raison. Écoute... Je suis content que tu sois plus serein, car tu en sais plus sur le passé de Fernanda. J'aurais jamais imaginé qu'elle était veuve. Et la façon dont il est mort, le pauvre. Ah. Ça m'étonne pas, la tristesse de Fernanda. Je sais. J'arrive. Qui est-ce? C'est Rigo. Ah, regardez-le. Oh, mais qu'est-ce que t'es élégant. T'es très beau. Ouais, vous trouvez? Ouais. T'es super. C'est ce que la fille du magasin m'a dit, mais c'était pour le vendre. Ouais. T'es aussi beau que le marié avec le costume que lui a prêté Laetitia. Ah, j'essaie de m'améliorer et vous vous moquez de moi. C'est bien que tu sois venu, hein? Vous vous rendez compte? On se retrouve tous les trois comme avant, hein? Ouais. Santé, santé. Santé. Et écoutez, ouais. Myriam m'a donné ça. Ouais, tu sais comment on la met? Attends. Oui, je sais. Mets ta veste. T'es aussi excité que pour ton mariage avec Isabella ou non? Non. Ce jour-là, je me sentais... Je sais pas, obligé. J'étais mal. Je me sentais sous pression. Aujourd'hui, je suis encore plus nerveux, mais... Je sais pas, je suis heureux. Ça me fait plaisir. Ah, viens là, toi. Je m'en vais. Octavio, c'est ta dernière chance. Fais ce que tu veux, je t'ai déjà dit ce que j'en pense. Mais comment, après 30 ans, aller à des mariages ensemble, le seul qui importe, celui de notre fils, tu me laisses y aller seule? Écoute, Laetitia, souviens-toi bien de cette date. Parce que quand Raphaël regrettera de s'être marié à Fernanda, ce jour-là, je te rappellerai notre conversation. Je ne l'oublierai pas. Parce qu'ils nous ont prouvé que l'amour est plus grand que tout. Je te dirais que j'ai eu raison de soutenir notre fils pour qu'il vive sa vie comme il en a envie et pas comme son papa le lui a ordonné. Je ne veux pas me vanter, mais c'est très joli. Oui, vous l'avez fait avec amour pour ces jeunes fous amoureux. Bonjour. Bienvenue. Mes parents, Laetitia, Patita. Bonjour. Bienvenue, ma puce. Bonjour, Patita. Je suis Myriam, la maman de Pierrot. Enchantée de vous rencontrer. Et je suis Louise Vasquez, son papa. Et je suis Juana, la témoin. Ma petite fille m'a dit que vous teniez ce restaurant. Oh, comme c'est beau que vous mêliez votre mariage et votre fils avec votre travail. C'est merveilleux. Oui, Patita. Et en plus, mes parents sont toujours très proches, malgré tout. Oui. Oh, ça me fait si plaisir. Je vois que vous vous aimez beaucoup. Je te dis ça parce que même si c'était difficile avec mon mari... On était très heureux. Tu vois, on ne peut qu'être heureux malgré toutes nos erreurs. C'est vrai, mon amour. C'est bien que vous soyez venue, Laetitia. Pour Raphaël, ça n'aurait pas été pareil sans vous. Je ne voulais pas le manquer. Ce que je déplore, c'est que mon mari n'ait pas voulu venir. On s'en fiche de ce fou. C'est dommage pour lui parce qu'il va s'en vouloir.
Il ne sait pas à quel point le punch est bon. Juana, juste par curiosité, depuis quand connaissez-vous mon mari? Je l'ai connu quand il a pris des animaux pour remercier Fernanda de l'avoir sauvée. Elle ne voulait pas accepter. Oui, oui, je m'en rappelle très bien. Ne vous offensez pas, mais je vais être franche avec vous. Votre mari ne me plaît pas. On va être une famille. Il faut que les choses soient claires. Ah oui, c'est très clair. Bon, si on doit être une famille, on devrait être moins formel, non? Je suis d'accord, je suis d'accord. Peut-être une tequila pour trinquer? Parfait. C'est parti! C'est parti! Julia! Je savais que tu n'irais pas à ce mariage. Je sais qui tu es. Tu tiens ta parole, pas comme les autres. Ça, c'est vrai, madame. Comme peu de gens le font. Quel dommage que tu ne puisses pas être ainsi. Tu t'en souviens pas? Il y a des années, tu m'as dit que tu n'allais pas te marier avec Germaine parce que tu allais te marier avec moi. Bien sûr, tu n'as pas eu le courage pour le faire. Et je m'en voudrais toujours. Hein? Comme tu le vois, je le paie aujourd'hui. Et ça me fait mal de te voir ainsi à cause de ton fils. Et comment je fais, hein? Comment? J'avais préparé plein de projets. Et ils s'en fichent. Parce qu'ils préfèrent être avec une arriviste. C'est ça, avec Fernanda. Cette fille t'a volé ton fils. Souviens-toi que tu peux compter sur moi. On peut les séparer si Isabella se tient bien. Je commence à en douter. Tu le verras. En attendant, si on profitait que personne ne soit à la maison. Oui. Allez-y, allez-y. Oui, oui. Ils a faim, Juana. Je te laisserai pas faire du mal à Raphaël, hein? Arrête, ne t'inquiète pas. Heureusement que ses amis sont comme ses parents, parce que Fernanda est orpheline. Ouais, tout comme moi. T'auras pas de belle-mère. Mais quand toi et moi, on va se marier, je demanderai à Laetitia qu'elle m'accompagne à l'hôtel. J'adore le costume, maman, merci. Oh, ce n'est qu'un détail, mon chéri. Non, non, tu es une femme incroyable. Et la seule qui ne s'en rend pas compte, c'est toi. Ce que j'admire le plus en toi, c'est ta loyauté. Et tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Oui, maman. Bonjour, merci. Laetitia. Vous êtes belle. Salut, Raphaël. Isabella, je vois que tu as décidé de faire la paix avec Raphaël. Oui, quel est le problème? Si je dis que je veux rester son amie, même si ça ne s'est pas bien fini entre nous. Mon père vient? Mon chéri, ne le laisse pas te gâcher la fête. Hier, je lui ai parlé pour qu'il vienne. Alors, peut-être qu'il viendra. Avec de la chance, oui. Il est tard et Fernanda n'est pas là. Quoi? Tu as peur de te faire planter? Pierrot, viens, travaille, d'accord? Prends une photo. Allez, Raphaël, au milieu. Allez, dit cheese. Hé, hey, la mariée arrive. C'est vrai? La mariée? Me hieren las palabras que atraviesan como espadas, combatiendo sin piedad en medio de la oscuridad. Pero ¿qué puedo hacer? ¡Bravo! ¡Bravo! Dime qué veré. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Le bisou, ouais. Le bisou, le bisou, le bisou. Mon ami
amitié avec Isabella allait bien jusqu'à ce qu'on arrive à un point de non-retour. Et puis, je me suis rendu compte que, lamentablement, Isa n'a aucun scrupule. Angela, ça me ferait mal que vous ne soyez plus amies, mais je comprends. J'espère qu'elle ne fera rien de fou au mariage de Raphaël. Il mérite d'être heureux avec quelqu'un qu'il aime vraiment. Je pense la même chose. Je suppose qu'elle se comportera bien vu que Rigoberto sera là. Mais pour être franc, je ne sais que penser de ma fille. Je suis d'accord. Attends, non, la mienne est meilleure. Non, elle n'est pas meilleure. À ta santé. Qu'est-ce que tu dis? Je vais l'empoisonner à son prochain repas. Je t'adore, mais tu es une mauvaise fille. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Merci à tous d'être venus pour nous accompagner tous les deux. Et aujourd'hui est un des jours les plus beaux de ma vie. J'aimerais dire un petit mot à mon épouse, Fernanda. Ma merveilleuse et courageuse sans pitié. Je voudrais que tu saches que je t'ai choisie comme épouse. Parce qu'en toi, j'ai reconnu tout ce dont j'avais rêvé avec une femme. Je t'ai choisie parce qu'à chaque fois que je regarde dans tes yeux, je reconnais une sincérité et une tendresse plus qu'infinie. Aujourd'hui, je suis heureux, je suis ému et tu as accepté de partager ta vie avec moi. Je te promets que je vais compenser chaque jour de tristesse que tu as vécu par le passé. Et je vais te protéger. Avec ma vie, si nécessaire. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh, santé. Comme ils sont beaux. Je t'aime. Ils ont réussi à me faire pleurer. Qu'est-ce qu'elle est belle, Fernanda, non? C'est comme ça que j'imagine me marier avec Luis. C'est pas très malin, ton comportement, quand Myriam est revenue. Comme une bonne copine, tu aurais dû être comme un chien et garder ton homme. Ah oui, et toi, c'est ce que tu as fait quand Luis t'a dit que tu n'étais pas une bonne amante? Tu devrais amener un paquet de serviettes avant que ta patronne Myriam vienne t'engueuler. C'est ça. Excusez-moi, mademoiselle. Oui. Peut-être que j'ai mal compris. Cette fille et vous avez une histoire avec le père de Pierrot? Vous y croyez? Je ne sais pas comment on ne s'est pas arraché les yeux toutes les trois dans cette maison. C'est de la folie. Vous permettez, je la garde. Merci. Tu vas me dire ce qui s'est passé? Non, ça sert à rien de parler, David. Vraiment, ta mère n'a rien à voir avec ça. C'est moi et mes insécurités. Je veux pas te décevoir. Me décevoir? Mais de quoi, Clara? C'est que je suis pas à ton niveau, David. Quel niveau? Oh, s'il te plaît, on en a déjà parlé. Je suis celui qui veut être à ton niveau de sensibilité, de simplicité, d'honnêteté. Je t'en prie, ne doute jamais de ce que nous avons. C'est que je suis sérieuse. Mais rien du tout. Rien du tout. Je vais faire tout ce que je peux pour que tu sois complètement sûre de moi. Et que tu commences à réaliser ce que tu vaux. Promets-le-moi. Et même si tu veux rester en dehors de la politique, je comprends, je ne te force pas. Promets-le-moi. On ne peut pas se séparer sans une vraie raison. Marie, on peut danser ou je dois demander la permission à Pachita? Tu dis ça comme si elle voudrait pas que tu respires près de moi. Très bien. J'ai appris que ton père vit avec son amante et son ex-copine. Quoi? Quel genre de famille êtes-vous? Et ta mère, pourquoi elle ne dit rien?
On l'a menacé ou quoi? Non, Pachita, dis-le-moi, Pachita, s'il vous plaît, laissez les jeunes s'amuser un peu, d'accord? Les grand-mères, je t'en prie, un tout petit peu. C'est bien parce que c'est vous, je vous le dis. Je les laisse y aller. Merci. Attends. Tiens, prends ça. D'accord. Pour que vous ne soyez pas trop proches. On parlera plus tard, jeune fille, tu as compris? Fais bien attention. D'accord. Oui. Oh, Pachita. Dans cette famille, il y a des choses que vous ne savez pas, madame, que vous ne savez pas. Je n'ai pas eu la chance de vous remercier d'être ici avec nous. Peut-être que vous vous attendiez à un mariage plus grand, plus beau, mais... Ça n'a aucune importance. J'ai toujours dit à mon fils que s'il y a l'amour, rien d'autre ne compte. Oui. Hein? Tu as raison. Mon chéri, c'est la stricte vérité. On a enfin réussi à faire l'amour dans ton lit. Comme ça, tu sentiras mon parfum cette nuit et tu te souviendras de moi. Fernanda doit être en train de se marier avec mon fils. Et ils vont en lune de miel? Oh, ça ne m'intéresse pas. Le cerveau est étrange. Ça m'est venu à l'esprit qu'il pourrait lui arriver un accident fatal et rendre veuf Raphaël.